En contrôlant l'Afrique du Nord, l'Axe pensait pouvoir verrouiller le bassin méditerranéen, devenu l'épicentre du conflit. Mais Benito Mussolini avait sous-évalué les forces britanniques, mieux équipées et mieux entraînées que les troupes fascistes. Hitler, craignant que de nouvelles défaites en Afrique ne viennent saper ses efforts sur le front russe, envoie sur place l'Afrika Korps du général Rommel. En 1942, les forces alliées décident d'attirer l'attention de l'Axe sur un nouveau front, afin de l'affaiblir. L'opération Torche est lancée, regroupant Britanniques et Américains. L'opération consiste à percer les lignes ennemies et à détruire ses réserves de carburant, de nourriture et d'équipement, de façon à entraîner la défaite des nazis en Afrique et à affaiblir l'influence de l'Axe. L'opération est un succès, et en janvier 1943, la 8e armée du général britannique Montgomery repousse les troupes de Rommel. Celle-ci se retranche derrière la ligne de Marette.